Voici ce qu'il se passe si l'on frappe une poule dans Zelda. Attendez, quoi? J'ai pu contrôler la poule? C'est pas normal, ça. Attendez. Je comprends rien à ma vie. C'est quoi ce bordel? Quand on frappe une poule dans Zelda, normalement, elle appelle toutes ses potes. Et il y a des poules qui apparaissent de partout et qui t'attaquent. Et puis, c'est quasiment impossible de s'en sortir. Mais là, on a pu la contrôler. Du coup, soit pour la version HD, Nintendo a fait une petite vanne en changeant ça, ou bien c'était même comme ça dans Zelda Twilight Princess original sur GameCube et sur Wii, et c'était une sorte de vanne par rapport aux Zelda précédents. Ça, c'est aussi possible. J'attendais qu'elle gueule pour qu'elle l'appelle toutes ses potes, mais elle a pas commencé à gueuler, du coup j'ai commencé à essayer de bouger, je me disais le jeu a bugué, mais en fait on peut la contrôler quoi. Ça a aucun putain de sens. Bravo Nintendo. Si c'est un troll, je vous applaudis. Oh putain.